Hello la VOD, on passe au dernier chapitre je crois, hein. Sixième chapitre il me semble, il y en avait que six, de As Dusk Falls. On s'est barré sans notre copine, enfin Jay s'est barré sans sa copine, Sharon est emprisonné, c'est-à-dire la mère des garçons, Tyler le grand frère il a une jambe cassée, il s'est fait arrêter, et l'autre grand frère, Cole, quelque chose comme ça. Je sais plus. Est mort. Et c'est ballot. Attention, ça commence. Et elle, c'est la petite. Mais une fois grande. Et elle a les glandes. Ah oui, c'est vrai, elle retient sa respiration. Total trauma. Ça fait pas 50 secondes. Hein. Vous retenez votre respiration, les chats ? Jusqu'à elle le faire. Moi, je le fais aussi. Ouais, enfin quand il a dit par un mot fais pas de bruit, c'était parce qu'il y avait parce qu'il y avait des flics pas loin, c'était pas en mode il lui fait un truc chelou hein. Là comme ça Là comme ça ça a l'air glauque alors que c'est moins glauque je trouve. Je suffoque patronne, c'est bon. Bah t'as battu ton record hein t'es. Ok. Je veux le faire passer pour un connard. Ouais, là, il était en mode attention, il y a des gens méchants. Fais pas de bruit. Et là, on a l'impression, genre, fais pas de bruit pendant que je te joue à touche pipi avec toi. C'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça du tout. Merci. Tu fais pas partie du programme de journalisme étudiant? Ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Ouais. Je suis pas trop venue en cours dernièrement. J'ai battu mon record, j'avais crevé, tout va bien. Record de suffocation. D'accord. Dis, ce que tu faisais sous l'eau tout à l'heure, je peux te demander pourquoi tu retiens ta respiration comme ça? Il y a des gens qui méditent. Moi, je préfère couler au fond d'une piscine. Je veux arriver à... Ça fait mal aux oreilles. Waouh, ça a l'air un peu extrême. Pourquoi tu fais ça? 2 minutes, oh. Je veux dire, quand tu t'entraînes, quand t'es pas du tout entraîné, c'est beaucoup. Quand tu t'entraînes, tu veux dire plus. Pour la sensation de contrôle, pour le défi, c'est là que je me sens bien, ça ne te regarde pas. Ouais, c'est là que je me sens bien, mais on dirait pas puisque ça lui revient en tête. Alors, est-ce qu'elle... Ouais, on dirait qu'elle veut reprendre un peu le contrôle. Moi, j'ai l'impression que c'est une histoire de contrôle, ouais. De contrôle de ses souvenirs et de ses traumas. De contrôle de son esprit. Par le manque d'oxygène. C'est bizarre un peu quand même. C'est le seul endroit où je trouve un peu de paix. Oh, c'est... Il faut que je rentre. Le contre-trauma. Ou un contre-trauma. C'est juste que... Toi, tu contrôles ton trauma, voilà. Ton trauma. J'avais une amie au collège. Elle était tellement parfaite que c'en était rageant. Première de la classe, capitaine de l'équipe de foot. Bref. Et un jour, alors qu'on était en sortie scolaire, boum, elle a disparu d'un coup, sans prévenir. On l'a retrouvée dans les toilettes. Elle était en train de s'ouvrir les veines avec un bout de mur. Oh, l'histoire qu'elle raconte est encore pire. Je suis sûre qu'elle se serait sentie mieux si elle avait su qu'il y avait des gens prêts à l'écouter. Jesus. Et oui, Ask Jesus, vous pouvez lui demander sur Twitch. Il fait un live en ce moment. Et on peut lui poser toutes sortes de questions. Et il a dit que jouer à Genshin Impact, c'était pas un péché en soi. Donc, du coup, je me suis dit, oh, bah, c'est bien. Voilà. Mais effectivement, je connais la chaîne Twitch, tout à fait.
Non, 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 pas Raptor Jesus. Non, c'est Ask Jesus. Vas-y, cherchez, hein. On peut lui demander toutes sortes de trucs. On peut lui demander s'il va touche-pif avec son cousin, c'est normal ou pas. Parce qu'apparemment, le chat, certaines personnes avaient l'air de trouver qu'il y avait une sorte de norme. Quand on manque d'oxygène, on meurt, alors que les fantômes ou les zombies, non, c'est fou. Les pierres non plus. Les pierres, elles peuvent retenir leur respiration, genre, des millénaires. On continue à jouer à Genshin, du coup, ouais. Ans plus tôt. Non, c'est en 83 là. Il y avait écrit hein. Bon, dans les années 80 tout ça, non? C'est ça. Hein. J'ai passé un coup de fil à la maison et j'ai parlé à mamie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit j'ai été trop dur avec mon père. Où est mon goûter, mon sandwich au pain? Et qu'il faut qu'on fasse des efforts tous les deux. Bref. Je sais pas. Elle a peut-être raison. Y'a quoi dans le sac? Ça? C'est des provisions pour toi, pour la route. Comme ça, l'argent te durera plus longtemps. Non, mais elle est trop gentille. T'étais pas obligée de faire ça. Le reste non plus, j'étais pas obligée. Non. Bon, bah, voilà. On dirait bien qu'on y est. Non. Dis rien sur le Canada. Merci, c'est un peu basique. Ne m'oublie pas, un peu égocentrique et pas un mot sur le Canada, un peu bâtard. Mais bon, merci, quoi. Peut-être que le jeu attend qu'on soit plus fin que ça. Ne m'oublie pas. Never forget me. Vous autres que je suis un bon coup. T'as fait tellement pour moi. Je sais même pas comment te remercier pour tout te dire. T'en fais pas pour ça, va. T'as fait beaucoup pour moi, toi aussi. Non, vraiment pas. Il faut que j'y aille. Et apparemment, je ferais bien de commencer à lire Jane Eyre, parce que je vais revenir pour la dernière semaine de cours. Non, moi je disais Jane Eyre. Adieu, c'est pas ça, je pense. Adieu, Vanessa. Mais c'est bien pour elle. En vrai, vaut mieux. Elle va reprendre les cours et tout ça et reprendre une vie normale. Si elle était restée avec nous, on lui aurait gâché sa life en vrai. Par contre, le fait qu'on l'abandonne comme ça, je trouve ça horrible. Genre, on l'a même pas laissée dans un resto tranquille où elle peut attendre bien. On l'a vraiment abandonnée au bord de la route, quoi. Une chasse à l'homme est en cours pour retrouver les tueurs du Desert Dream qui ont cambriolé la maison du shérif de Turok avant de se réfugier dans le motel qui est mais oui, le théâtre on aurait pu essayer une station service, mais on aurait dû surtout, c'était ça qui était prévu. Mais vous devez en savoir, non, faut écouter. Moi je pense qu'il faut écouter. On aura peut-être une info intéressante et puis on est tout seul dans la voiture, c'est le moment d'essayer de comprendre ce qu'il raconte sur nous. Décrivent Jay Holt comme un ado déscolarisé, discret et mal dans sa peau. Holt est accompagné d'une complice, Vanessa Dorland. Oh la pauvre. De 16 ans, elle est déjà probablement armée et dangereuse. What? Si vous voyez l'un de ces criminels, appelez immédiatement la police et c'est tellement injuste, mais on est seul. On est seul. Heureusement que Vanessa est partie, bah oui. Mais en vrai là, elle est complice.
Agnès de Grision, ça va pour lui? Bah, il était là hier. Mais après, n'hésitez pas à lui envoyer un message sur le Didi si vous voulez un peu de ses nouvelles. C'est un peu tard, mais c'est grave trop tard en fait. On aurait dû, je sais pas. J'aurais jamais dû l'entraîner dans tout ça. Clairement. Mais elle est venue. En sécurité. Remarque, non, c'est nous qui l'avons appelée, j'avoue. Là, un lynx. Merde. Les lynx roux d'Amérique. Attention, pression. Oh, faut peut-être que je fasse un QTE, attendez. Non mais t'es dead, mec, t'es tellement dead. Il a même pas... Il y a un souci, monsieur l'agent? Simple contrôle d'alcoolémie. On m'a chargé d'intercepter les conducteurs alcoolisés qui reviennent du River Palooza. Mmh. Alors, on faisait la bringue? Non, monsieur. Non, si on avait pris l'ecstasy. En provenance d'eau. Oh, bah non, c'est pas le même contrôle. On était à Salt Lake, je crois. Je crois, hein. On était à Salt Lake City, oui, c'est ça. On l'a pas obligé à venir. Non, c'est vrai, c'est vrai. Faut mentir. Ah oui, parce qu'on a été vu à Salt Lake, c'est vrai que tu es con. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Oui, oui, faut pas dire Salt Lake en fait. Faut plutôt effectivement dire autre truc, mais. Je me rends pas compte de la distance que ça fait là où on est par rapport à San Francisco ou Arizona. Ou l'Arizona en général. San Francisco. Je traverse le pays. Drôle d'itinéraire pour ça. C'est pas une plaque de Californie, ça. Ah. Non, monsieur. Enfin bref, il me faut juste ton permis et la carte grise, et puis ce sera bon. Oui, de véhicule volé. Oui, la boîte à gants, moi je pense qu'ils sont dans la boîte à gants. C'est le genre de truc qui se... Aïe, putain, ça fait trois fois que je me cogne le coude. Mais j'ai mis ma... Mais oui, mon siège, il est plus bas que d'habitude, du coup, moi... Attendez, je vais monter un peu le siège. Ça me fait trois fois. Voilà, là ça ira mieux. On n'a pas le permis. Il a peut-être un permis et surtout c'est un véhicule volé. Moi je fouille total la boîte à gants. Faut le poignet. Non, c'est le coude. C'est à chaque fois que je fais ça pour aller genre cacher ma cam ou me mute parce que mon stream deck, voilà, je dois tendre le bras. Oh non, fallait regarder dans la boîte à gants. Fallait regarder dans la boîte à gants. Et les documents provisoires? Provisoires? Il va falloir que je vérifie la plaque. Oui. C'est mort. Il est volé, le véhicule. Centrale, j'ai une plaque à vérifier. 3P2157D, immatriculé dans le Montana. Merde. Oh non, non, non. Quoi, encore? Y a pas moyen de faire ça manuellement? Drive to survive. Moi, j'attends le policier parce que je sens que... Y a pas moyen de vérifier que ça va le gonfler. Mais on peut démarrer en trombe et faire une course-poursuite à la Road Rage dans le Montagne. Mais moi je sens que y a moyen qu'on attende et que ça se passe super bien. Surtout de, en vrai, une course-poursuite là maintenant, c'est le pire truc. Surtout là vu l'endroit, enfin bon, j'y crois zéro quoi. Son karma peut être positif, enfin. Bah, son karma positif, c'était la nana, puis il est devenu négatif, c'est vrai. Je peux vous expliquer. La base de données est encore en panne. Il va être beau l'an 2000, c'est moi qui le dis. Ouais, on est... Bon, je vais me contenter d'un avertissement. Mais la prochaine fois, oublie pas ton permis. Entendu, monsieur l'agent. Allez, du balai. Mais il devait pas faire un contrôle d'alcoolémie? Il l'a même pas fait?
Merci les filles en carton, hein. Je pensais qu'on était avant 2000. Bah, je pensais pas qu'on était avant 2000. Moi, je m'en doutais, mais je pensais qu'on était dans les années 80. Alors peut-être qu'on est plutôt dans les années 90. C'est passé. Non, mais comment c'est passé, en fait? Juste un prétexte contre l'alcoolémie. Ouais, pour contrôler les véhicules, en fait. Sauf que bon, si de base... l'ordi est en panne. Oh. Et alors, ce nouvel avion? Ah, tu vas l'adorer. Il est beaucoup moins bruyant que l'autre. On est avec Popa. Dis, ça va toi? C'était mon anniversaire dimanche. D'habitude, tu passes un coup de fil. Et oui, ils sont séparés, les parents. Je suis désolée, papa. C'est juste que... C'est pas cool de voir deux coups de fil du Popa. Ne me dis rien. Les cours te sortent par les yeux. Je comprends. Je sais ce que c'est. Dis, et si je passais au campus demain pour déjeuner? Il risque d'y avoir un petit souci. Pourquoi? Elle a quitté l'école? Tout se passe bien à l'école? Elle va peut-être arrêter, mais j'en sais rien si elle va peut-être arrêter, moi. Bon, allez. Honnêteté, hein. Si tu comptes arrêter, dis-le, hein. Faut le dire aux parents, c'est eux qui casquent en plus, hein. Par contre, le portrait robot, on lui a pas donné. Mais oui, c'est ça qui me fume. Bah après, là, ils ont pas été vus dans cette région. Du coup, bah, il a peut-être pas eu les infos plus que ça, quoi. Mais quand même. Moi aussi, je suis assez étonnée. Parce que surtout, c'est le seul qui est poursuivi de tous les autres, puisque les autres sont soit morts, soit déjà arrêtés. Bon. Est-ce que la mère a tout pris sur elle? Ça serait bien. Pour être honnête, papa... Je sais pas trop si c'est fait pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu arrêtes les études? Tu veux faire du journalisme depuis tes 14 ans? Non, non. Je pèse le pour et le contre, c'est tout. Zoé, ta mère va être furieuse. Je sais, mais écoute-moi. Tu devrais l'appeler. Et ensuite, il faudra qu'on en discute, tous ensemble. Mais elle est vraiment traumatisée par le mec. Zoé. Désolée. En particulier. Il faut que j'y aille. Je comprends pas trop ces flashs. Même si je comprends qu'elle soit traumatisée, hein, mais. Fais pas de bruit. Non mais d'où cette phrase, ça l'a traumatisée à ce point? Je sais pas, j'ai du mal à trop à comprendre, mais effectivement, mais... Merde. Il a été le plus gentil. Ouais, par le genou. Bon, alors le moment du genou, je comprends. C'était extrêmement traumatisant. Mais avant... J'ai mis l'autre flacon. Je sais pas. Oh, le bruit de flotte, là, ça me trigger de fou. Oh non, on va avoir des choix entre fouiller des trucs, ça va être chiant. Bon, allez, le tiroir. Parce que bon, du coup, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Et après, on a des choix qui n'en sont pas et ça me saoule. Mais bon, c'est le dernier chapitre. On va faire la chose bien. Vous savez faire la goutte, vous? Moi, je sais pas, moi. Attendez. Je crois que j'y arrive pas et je me fais mal à la joue. J'ai vu Ponce le faire et l'expliquer et tout, hein. J'y arrive pas bien. T'as juste sifflé. Papa la goutte. Elle est bien quand même. J'ai un peu peur, j'ai pas envie de me faire mal. Non, allez, j'arrête. Allez, fouillez le tablier, parce que c'est vraiment à chier. Les poches du tablier. Ça, franchement, moi j'ai des ongles, hein. Je fais ça, si ça me rentre un peu longue dans la joue, ça fait mal, hein.
Non, je sais pas. Moi, je suis toujours sur les poches du tablier. Fermer le robinet, non, c'est marrant. De toute façon, je parie que le robinet, c'est dans sa tête. C'est sa tête qui fuit. Pourquoi elle garde des trucs qui lui rappellent son traumatisme? C'est vrai que c'est bizarre, ça. Mais j'imagine que ça arrive. Que t'es un peu ce besoin. Et en même temps, ça t'a traumatisé et tu voudrais plus être traumatisé. Genre, j'avais entendu parler d'une fille. Je me demande si c'est pas Natasha Kampusch qui avait été séquestrée pendant longtemps par un type. Peut-être ici. Et je me demande si c'est pas elle. Je crois que c'est elle. Qui, une fois qu'elle en est sortie, qu'elle a été libérée, machin. A racheté la maison où elle avait été séquestrée. Et vit dedans, genre. Pourtant, elle a vraiment été traumatisée et tout ça. Faut le dire, elle a pas de. What the fuck? Sérieux? Ouais, faudrait. C'est pas la première fois. Ok, je suis pas dans la cave. Non, je pense pas, non. Dites-moi que je suis réveillée cette fois. Allez, réfléchis, Zoé. Où t'as bien pu les mettre? Mais on fait la même chose. Elle va vraiment pas bien, la petite, hein. Ça, le bus peut comprendre le chromatisme du bus, ouais. Oui, non, c'était pas Michel Fourniret, c'était en Pologne, je crois. Je sais plus. Je regarde dans le couloir. Hein. Honnêtement, moi, si j'entends un truc, il faut que j'aille direct savoir s'il y a vraiment quelque chose. Même si j'ai peur. Même quand j'étais petite, je faisais ça aussi. Et pourtant, j'avais peur. Parce que j'avais ma fenêtre qui donnait sur le balcon et on était au rez-de-chaussée. Du coup, des fois, j'entendais des bruits sur ce balcon. Mais plutôt que de me demander de passer toute une nuit à me demander ce que c'était et tout ça, j'allais toujours voir. Et c'était jamais rien. Si deux fois, il y avait un chat. Ou notre chat à la famille. Mais du coup, c'est le meilleur moyen de psychoter encore plus que de pas se renseigner sur ce qui se passe. Alors, bien sûr. Vaut mieux y aller en mode. Maintenant, tu pouvais regarder en laissant ça. Tu pouvais laisser le truc et regarder, ça sert à ça. Hein. La chaînette. Je suis pas obligé de sortir aussi. Si c'est une blague, c'est pas drôle du tout. Allez, y'a rien, va-t'en. Remets la petite chaînette. Ça te rassurera. C'est moi. Zoé. C'est qui, Jim? C'est tard, mais j'aurais besoin d'une oreille compatissante. Je peux venir? Non. C'est-à-dire que j'ai comme qui dirait un petit souci, en fait. C'est le grand-père? Quel genre de souci? Monsieur Walker! J'arrive tout de suite. C'est le grand-père, Jim? Je vous l'ai dit. Je peux pas laisser mes locataires endommager les lieux. Et moi, je vous le répète encore une fois, j'ai rien abîmé du tout, madame. Monsieur Walker, j'ai vraiment pas le temps pour une autre dispute, là. Salut, mon vieux Zeus. Zoé, Dieu merci. Il est toujours là, le dogo, il a l'air en forme. Je vais expliquer à cette dame que j'ai le droit de jouir paisiblement de mon propre logement. Oh, paisiblement? Vous avez vandalisé la porte d'entrée. Ok, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est entré chez moi et a volé mon portefeuille. Non. Vous avez égaré votre portefeuille et c'est vous qui avez cassé la porte. Zoé, il y avait quelqu'un. Je suis sûr d'avoir vu quelque chose bouger dans l'ombre. À quoi il ressemblait, tiens?
Faut demander, hein. Un peu comme ceux qui vivent en prison 10-15 ans. Pas possible pour eux de revenir, de vivre à l'air libre, dans la vraie vie. Bah, en tout cas, j'imagine qu'il y a des réhabilitations. De dire que c'est pas possible pour eux, c'est peut-être une généralisation un peu abusive. Mais j'imagine qu'effectivement, t'as une réhabilitation à faire. Et en soi, bah, c'est pas simple, clairement, ouais. La réinsertion, j'imagine que ça doit être vraiment pas simple. Question, mais tu Lupine, si une femme prend par inadvertance du Viagra, ça lui fait... bah, j'imagine que le Viagra, en fait, ça doit jouer sur la circulation sanguine. T'as vu à quoi il ressemblait ? J'imagine pour que ça fasse cet effet, finalement. Donc je pense que ça doit jouer sur notre circulation en tant que nana, je sais pas. Je me souviens plus trop. Normal, puisque c'est jamais arrivé. Je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé, moi. Ton grand-père est encore sorti de chez lui en robe de chambre. C'est la troisième fois ce mois-ci. Et quand monsieur s'est rendu compte qu'il n'avait pas ses clés, il a enfoncé la porte pour rentrer chez lui. C'est n'importe quoi. J'avais besoin de prendre l'air. Alors je suis sorti me promener et j'ai vu quelqu'un et d'un coup, là je me retrouve à me disputer avec Shelby. C'est pas ça, mon nom. Yeah. Zoé, je sais que ça te fait de la peine, mais la santé de ton... Ok, bah voilà, la réponse santé. Il lui faudrait un auxiliaire de vie ou une résidence médicale. Ça pourrait avoir un effet de désir chez les femmes. J'ai besoin intéressant. De tout. Zut à la fin. Oh, allez, va-t'en, toi, madame. On a tous les deux un avis très différent sur ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, quelqu'un doit payer pour cette porte. Oui, mais c'est pas maintenant, c'est pas cette nuit. On va payer, bah s'il a pété la porte, on va payer. C'est un MacBook hanté, un MacBook. C'est chelou. Elle a surtout fait une recherche sur Google, hein. Mais je connaissais pas l'expression, c'est un MacBook. Je suis pas sûre que ce soit le bon terme. C'est Wikipédia limite, mais c'est un objet, quoi. Le Mac. Je sais pas si... Allez. Allez, on avance un peu, là. Ah ouais, agressif, le chat, agressif. C'est pas la peine de le harceler. Et puis, c'est votre parole contre la sienne. Eh ben, comme quoi, les chiens font pas des chats, hein. J'aime bien comment il monte la porte. Quand on s'est rencontré, c'est ça. C'est chat GPT en fait, en témoignage. Elle est culottée, une résidence médicalisée. Oh le doco. J'ai l'impression d'entendre tes parents avec toutes ces bêtises. Va pas le raconter à Shelby, mais je sais que c'est pas moi qui ai cassé ma porte, parce que j'ai toujours une clé de secours sous le paillasson. Sérieux? Ah. Tu trouves pas ça un peu risqué? Crois-moi. Si tu veux dissimuler quelque chose, le mieux c'est de choisir une cachette bien en évidence. Et toi, comment ça va, ma grande? C'est pas si con, mais j'avoue que le coup du paillasson, c'est n'importe qui aurait le réflexe de regarder. Enfin, en tout cas, n'importe qui aux États-Unis. Je sais pas, ça se fait beaucoup en France. Moi? Ça va. T'as une petite mine. T'as la même tête qu'à l'époque où t'enchaînais les nuits blanches en buvant des litres de café pour préparer tes examens au lycée. Tu te rappelles? J'ai connu, mais sans le café. Comment ça va, le sommeil? Je fais des cauchemars. Ça va avec les médicaments? Genre quand même, au mytho, je fais des cauchemars de ouf. Et le ça va avec les médicaments, bah on n'en sait rien, en fait. On n'en sait rien. Parce que bah là, elle en a plus. Donc on n'était pas là avant. Pardon, je pourrais me montrer ma tête transparente. Le vert, ça m'irait un peu. La couleur froide, ça me va aussi un peu. Enfin, certaines. Bon, vert, je sais pas. Vert jaune. Ça se passait bien depuis des mois. Hop. Et puis les cauchemars ont commencé à revenir. Et maintenant, j'ai peur de m'endormir. Ah, oh, Zoé. Zoé. J'avais l'air d'aller tellement bien pourtant. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Un arc-en-ciel pour les cheveux. C'est trop stylé, ça, j'en ai vu, c'est trop beau. Je te le promets. Il y a une semaine, quoi.
Et à part ça, quoi de neuf alors? Est-ce que tu vises toujours le New York Times? Non, elle vise d'arrêter tout. J'envisage d'arrêter les études pendant un temps. Je l'ai dit à mes parents. Je te laisse imaginer le naufrage. Elle a dit que au papa, non? Là, comme ça, j'imagine le Titanic. J'ai toujours pensé que ça tirait bien le journalisme d'investigation. Fouiner dans les affaires des gens, montrer la vérité au reste du monde, tout ça. Je sais pas trop, papy. J'ai qu'une envie, c'est de me réveiller sur une plage déserte, plonger dans l'océan, disparaître sous les vagues et ne plus refaire surface. Allons, allons. Croisons ton vieux papy qui a toujours essayé de fuir ses soucis. Où que tu ailles, tu emmènes toujours tes problèmes avec toi. Clairement. Tiens, je vois plus ma tablette pour aller sur Internet. Oh non, les ordures. Je l'avais eue pour mes 74 ans. Ça te dérange si je fouille un peu? Avec un peu de chance, je trouverai qui a volé tes affaires. Vas-y, je t'en prie. Et que c'est meilleur tout ça, moins une diète. Ah, fouiller un peu. Où est-ce que... Moi, j'irais bien voir la porte cassée. Bon, désolé, on est dans une phase un peu plus molle. J'espère que ça va bouger un peu, parce que bon, la phase de qui est-ce qui a cambriolé chez papy, c'est le dogo qui a tout volé, c'est ça. On va avoir une toute petite planque, et là, lui, il y aura plein d'objets. Il se sera fait une garçonnière, mais de chiens. Une dogonnière. On a tous fait des choix très différents, mais c'est la porte qui l'emporte. Rappelle-moi, t'étais où déjà quand le voleur est entré chez toi? Dans le couloir, je crois bien. Des fois, j'arrose les pétunias qu'ils ont mis sur l'appui de fenêtre. Mais je croyais que t'étais allé te promener. Oh, oui. Enfin, j'étais sur le point de le faire, en tout cas. Désolé, mais c'est juste d'épais un peu. Faudrait que j'aie ce frame, mais sans fond. Ah oui, je devrais faire ça. Ok. C'est chelou, c'est chelou. Commode, le canap, meuble de télé, étagère. Ouais, moi je vois bien la tablette coincée entre deux trucs d'un canap là. T'es chelou, papy, bah il est tout vieux, hein. Enfin, tout vieux. Ah, si, un peu quand même. Par contre, il a pas beaucoup changé. Physiquement. Ils l'ont pas beaucoup vieilli, j'ai l'impression. Alors qu'on est au moins 10 ans plus tard, je pense, non? T'es au courant que ça fait des lustres que tu l'as, ce canapé? Je mettrai pas ma main directe comme ça, hein. Je regarderai, hein. Enfin, tu sais, quand on est arrivé à Saint-Louis... Je veux pas savoir ce que le papy fait sur son canapé. Plus le temps passe, plus il est confortable. Papy! Non, elle était là. Heureusement qu'ils l'ont pas prise aussi, tiens. Enfin, pour ce que j'en fais, je sais jouer au solitaire, mais ça s'arrête là. On va te mettre Twitter et TikTok, là. Ah, je peux encore fouiller des trucs. Je sais pas, alors. Je sais même pas pourquoi on fouille. Ah oui, pour savoir s'il y a vraiment un voleur. Non, mais on se doute que non, hein. Papier à l'EHPAD, bah... Ah, s'il se met à péter des trucs, oui, on va peut-être falloir. Alors à chaque fois on a un vote, je suis désolée, c'est pas les phases les plus intéressantes. Allez, on avance. Je peux pas accélérer, j'aimerais bien pouvoir choisir en temps réel. Papy, tu prends tes médicaments? J'aime pas ça, ça m'embrouille les idées. Ouais, sauf que ça fait que tu pètes des portes et que tu vois des voleurs. Prends la thune. Mais j'ai pas l'impression qu'elle manque de sous, hein. Ça a l'air d'aller, juste elle manque d'un psy, je pense. Pour gérer ses traumas. Elle
La musique du jeu est bien en tout cas. J'ai l'impression que ces phases là, on choisit, on a déjà tous choisi, il reste encore 15 secondes. Je sais, c'est les phases un peu où on se regarde dans l'ascenseur. Ou dans les salles d'attente. S'il te plaît, fais-le pour moi. Bon, d'accord. Papy, tu es sûr que c'est pas toi qui as cassé la porte? Ça restera entre nous. Ça t'arrive jamais d'aller dans une pièce et de te rendre compte que tu sais plus ce que tu voulais faire? T'as jamais rien égaré, rien perdu, toi? Tu sais tout ce que j'ai perdu. Je veux pas te perdre aussi. Shelby a raison. C'est de pire en pire. Eh oui, on s'en doutait. Le papy qui décrépit. Tu peux pas baisser les bras. Tu as vaincu le cancer. Tu peux encore te battre. C'est vrai qu'il avait un cancer. C'est pas pareil. Les lieux, les dates, même l'école où j'allais. C'est comme si quelqu'un était en train d'empaqueter mes souvenirs dans des cartons sans prendre le temps de mettre des étiquettes. Ça, c'est horrible en vrai. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça fait? Ça m'arrivera sûrement parce que j'ai y a de l'Alzheimer dans ma famille, mais ça me fait flipper. Ça doit être horrible. Non, ça doit être horrible, arrête. Savoir que tu as des choses très importantes que tu oublies. Ne plus mettre, réussir à mettre des visages, des trucs, enfin je sais pas. Le savoir en fait, c'est ça le truc, c'est que tu t'en rends compte. Enfin, j'imagine, peut-être qu'au bout d'un moment tu te rends plus compte que tu oublies des choses. Mais là, il est au stade où il s'en rend compte. Où il a des phases où il se rend compte qu'effectivement, il sait plus et il... Ouais, non, ça doit être... franchement, s'en rendre compte, je préférerais oublier sans le savoir. C'est ton histoire, tu veux pas l'oublier? Non, clairement. Puis c'est vachement... enfin ouais, non, c'est vraiment une réponse nulle en mode « Je préfère oublier tous mes mauvais souvenirs. » J'imagine même pas. Tu dois sans doute penser que je me suis bêtement fait des films. À vrai dire... Elle aussi, elle voit des trucs. Moi aussi, il y a quelqu'un qui me suit, enfin, je crois. Quoi? Tout à l'heure, à la piscine. Et ce soir, à l'appartement aussi, il m'a semblé voir quelqu'un. Je sais même pas si c'est vrai. J'ai l'impression qu'on perd la tête tous les deux. Bon sang. Zoé, écoute-moi. Tu as subi les pires épreuves quand tu étais petite. Tu as vu des choses absolument épouvantables cette nuit-là. Et je sais que tu te dis parfois que ça t'a rendu à moitié folle. J'ai pas envie d'en parler. Bah si, elle a commencé à en parler en fait. Donc c'est qu'elle a envie d'en parler. Si elle n'avait pas envie d'en parler, elle n'aurait pas commencé à évoquer le coup de voir quelqu'un machin. Ma mère est atteinte de démence, et même si je bosse en psy, quand c'était proche, pas du tout pareil. Bah non, mais c'est horrible, évidemment. Évidemment que c'était très très dur à vivre, et bon courage pour toi Lolo. On va dire que tu sauras peut-être un peu plus comment gérer ça que d'autres personnes, mais ça veut pas dire qu'émotionnellement, ça c'est pas ultra lourd et difficile. Oui, je sais. Je souhaite bon courage, j'espère que ça va. Mais c'est ce que j'essaie de dire justement. C'est son papier en plus, oui. Je pense pas que tu sois folle, au contraire. Parce qu'autrement, eh bien, pourquoi est-ce qu'on verrait tous les deux la même chose, hein? Papy? Alors soit on perd tous les deux la boule, soit... Soit quoi? Oh non, c'est pas possible. Really? Pourquoi il rôde autour d'eux comme un stalker si c'est lui? Pourquoi t'arrêtes pas de me suivre? Qu'est-ce que tu veux?
T'es pas prête. Oh, sympa la scène. J'aime beaucoup. Mais je sais pas, je... Pourquoi elle est pas traumatisée plus par les deux, les trois autres connards là? Vraiment la paire. Moi, j'essaie de me souvenir. Et toi, tu voudrais oublier. C'est pas que je veux oublier. Je veux juste arrêter d'y penser. Je sais pas quoi faire. Comment je fais pour échapper au passé alors que ça me hante partout où je vais? Je crois que la seule chose à faire, faut faire avec, c'est d'oser affronter tes démons. Regarde les choses en face et essaie de les voir telles qu'elles sont. Si le passé te parle, il faut l'écouter. Et après ça, peut-être que tu seras enfin libre. Ah mais Jay lui a vraiment écrit. Ah mais oui, non mais du coup, il n'y a même plus de doute. Cher Zoé. 14 ans plus tard. C'est la troisième fois que je t'écris. Je n'ai pas eu de réponse de ta part, alors j'espère que tu reçois bien mes lettres. Aujourd'hui, je repensais à la dernière fois que je t'ai vue. Tu étais une petite fille qui s'accrochait à sa famille. Moi, j'étais un ado de 18 ans qui s'accrochait à l'idée de la liberté. Ok, donc il a réussi à fuir. Il est toujours aux États-Unis alors? Ou peut-être au Canada? Je vois encore ton expression quand je t'ai laissé sur le bord de la route. Je pensais faire le bon choix, que tu serais sauvé. C'était pas le cas. Donc ouais, depuis 14 ans, bah semblerait hein. J'ai raté. Bon, ça va. Je vais péter une jambe à Jay, moi. Et en même temps, ce jour-là, il n'y avait pas de bon choix. Je sais que ma famille t'a laissé des cicatrices à jamais. Non, mais apparemment, elle pense qu'à toi. Non, mais non, c'est bon, on n'a pas 8 ans et demi pour laisser une trace. La paix à l'arbre, un peu. Qu'est-ce que tu veux laisser? J'étais là tout seul avec un cœur? Genre. C'est un truc où les amoureux ils se gravent dans un cœur. J plus et tu mets rien dans un cœur. J plus solitude. Moi, oui c'est ça. Mi, tu mets un cœur. J'aime bien ça. Ils m'en ont laissé aussi. Tous les jours, je me demande qui je serais devenu s'il n'y avait pas eu ce cambriolage. Bah déjà, tu serais dans la légalité. Cœur plus cœur égale deux cœurs. J'ai beaucoup à te dire, Zoé. J'ai des questions, des explications à donner. Ce qui nous a amenés au motel ce soir-là, et ce qui s'est passé dans la montagne quelques jours après. Tu as sans doute appris certaines choses en grandissant. Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres que tu ignores encore. J'ai marché. Bon non, c'est bien ici. Enfin, c'est un choix qui n'en est pas. Genre, au pire, on fait pas de choix, c'est ça? D'accord, je sais pas. Je comprends pas les choses.
On est sur une conclusion, c'est un peu plus basique niveau gameplay, je pense. J'aimerais bien une vraie conclusion quand même. Écris-moi s'il te plaît. Je voudrais avoir de tes nouvelles, Zoé. Mais sincèrement. Pourquoi en fait? Vraiment pourquoi? C'est chelou. Joli effet pour la cascade, oui, j'aime bien aussi. Bonjour, tout se passe bien? Tout va bien? J'essayais de me repérer pour savoir où j'en suis. Oh d'accord, voyons voir. Ça là, c'est Jacob's Ridge. Là, en contrebas, c'est le lac Blackfoot qui marque la frontière canadienne. Ah. Et ça t'aiderait à être pardonné avec lui-même. Oui, ça l'aiderait à se pardonner lui-même, ouais. Falls. Et le poste frontalier? C'est à l'est d'ici, à plus d'une journée de marche. Dis, tu as un campement quelque part? Il va me demander où. Du coup, je vais dire pas encore. Parce que je sens... Ah ouais, tu l'as posé où? Parce qu'attention, il y a des ours et... Ouais, on va mentir. On peut dire qu'on cherche un endroit où s'installer ou qu'on a laissé nos affaires... Enfin, je sais pas. Il y a moyen. Pardon, j'ai dit, tu veux mieux te pourvoyer. Non, pas encore. Bah alors, elles sont où tes affaires? T'es parti sans sac à dos. Et ils sont où tes parents? J'avais prévu de me faire un abri. Un abri, carrément. J'admire ton enthousiasme. C'est bien aussi. Man versus Swell, j'ai vu des vidéos. D'accès à l'arrière-pays. Je suis arrête. Mais tu vas devoir rebrousser chemin. Arrête de m'embêter. Il fait rien qu'à m'embêter. Pour profiter de la vue. Et si je restais un peu aussi, tant qu'à faire. J'allais justement me faire un thé. T'en veux? Non, bah si, accepte, vas-y. Moi, comment tu t'appelles? Après, il évite peut-être une tentative de suicide ou autre. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Moi, c'est Lilan. Mais je pense qu'il voulait juste passer la frontière. Vous êtes garde forestier? Ouais. J'ai bossé un peu partout. Zion, Bryce Canyon, Pinnacles. Tiens-moi ça. Et Yellowstone aussi? Ouais. J'y ai même passé quasiment 10 ans. Il n'est rien de plus magnifique en ce monde que le canyon de la Yellowstone. C'est une citation de... Teddy Roosevelt. Exact. Alors, comme ça, toi aussi, tu aimes la nature, hein? Vous faites le métier de mes rêves. C'est vrai que je pense que ça lui irait très bien, garde forestier. Je suis ça sur une carte postale, je suis passionnée d'histoire. Ouais, je vais dire, vous faites le métier de mes rêves, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui lui aurait plu. Passionné d'histoire, bon bah on s'est complètement foiré aux questions d'histoire, et il va me reposer. Donc je pense que c'est plus safe le coup de « Oh, j'aurais adoré faire votre métier ». Je sais pas si c'est vrai, mais vu le tempérament du gamin un peu solitaire, il a l'air de quand même bien aimer la nature et tout... Je peux bien lui aller. Je me recache. Je me cache pour cette fin. Dans la forêt à côté de chez moi. J'ai toujours rêvé de faire votre boulot, à vrai dire. Eh ben, t'as qu'à remplir un formulaire à l'office de tourisme en bas. Vraiment? C'est aussi simple? Ouais. On vérifiera juste ton casier judiciaire. Évidemment. Ah oh oui, bah il fait une tête beaucoup plus parlante encore. La discrétion du gars. Ça réchauffe. Tu sais,
J'ai vu un bon paquet de catastrophes ici. Des feux de forêt, des avalanches. Mais je les modes qui chaud. On vérifiera mon casier. Qu'on soit armé. Ah, il sait qu'on est armé. Enfin bon, on est la patrouille frontalière. Imagine qu'un criminel en cavale tente de passer en force. Oh, il nous a reconnus. Il nous a reconnus. Écoute, tu m'as l'air d'un chouette gamin. Mais on a une voiture volée au départ du sentier. Mmh. Et d'après la police, elle appartient à un gosse de 18 ans qui a attaqué un motel dans l'Arizona. Encore les mottes. Il a fui. Comme par hasard, t'as pas de gourde. À chaque fois qu'il dit un truc un peu choquant, je vois les mottes sur l'écran. Tu pourras pas camper sans tente. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe, Michael? Je peux vous battre. Mais non. Vous faites une erreur. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Vous faites une erreur zéro, je peux vous battre. Écoutez, on va tenter... Avec les modes, c'est banger, j'adore. Là, elle apparaît en plein milieu de l'écran, c'était trop bien. Le 11, ouais, je peux vous battre. En duel, j'aurais bien aimé voir. Oh, c'est une menace en l'air, mais il le fera pas. Hein. Enfin, quoi qu'on peut l'abattre, peut-être. On va tenter d'être dans l'amadouement. L'amadouage. S'il vous plaît. Laissez-moi continuer. Je suis navré, fiston. Je peux pas me le permettre. Viens te battre. J'ai des responsabilités. Vraiment, vous êtes sûr? Écoute, se cacher pour échapper à la justice, c'est pas une vie. Je suis d'accord. C'est un fardeau qui te suivra partout. Laisse-moi t'accompagner jusqu'au pied de la colline. J'ai jamais utilisé ce machin et j'ai pas l'intention de m'y mettre aujourd'hui. En vrai, moi, je suis pour qu'ils se rendent. Hein. Mais, c'est le chat qui décide. Il peut s'enfuir aussi. Bon, on est que trois à voter. Ah, c'est Bass qui veut se rendre aussi. Attention, nous verrons la fin. Que tout s'arrête, ouais. On se tient. On court dans la montagne, là on glisse, on se pète une jambe. C'est... Non, c'est bon, faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Ça vous est déjà arrivé d'emprunter un chemin et de réaliser que vous faisiez fausse route? Alors que j'espère qu'il va pas sauter. Hein. Il est jamais trop tard pour ça. J'en ai tellement marre de toujours fuir. Pour quelque chose que j'ai même pas fait en plus. Vraiment? Je veux dire, c'est vrai que j'y étais, au motel. Mais j'ai quasiment rien fait là-bas. Et j'ai tué personne, moi, je vous le jure. Mais vous savez quoi? Ma vie avait rien de si spécial après tout. S'ils veulent me condamner à mort, comme ils disent, c'est pas si terrible. Oh. Peut-être que c'est ça la fin qui m'attend. Bon, écoute-moi. À un kilomètre d'ici, il y a un panneau qui dit accès interdit. Tu suis ce chemin-là, et tu descends la colline pour arriver de l'autre côté de la frontière. Oh. Quoi? Oh. Je suis peut-être naïf, hein. Mais j'ai des frissons rien qu'à t'écouter. C'est vrai que... Si tu m'en bats... En tout cas, niveau doublage, ça joue très bien. Et sinon, je suis sûr que tu mérites pas pour autant. Allez, file. Toi et moi, on s'est jamais rencontrés. Compris? Oh, on a fait le bon choix, le chat. On a fait le bon choix. Mais monsieur... Non mais en vrai, les otages, ils ont dit... Non mais je rappelle quand même. Les otages, ils ont dû dire qu'ils étaient pour rien. Parce qu'effectivement, c'est le cas. Pas de duel, du coup. Je peux vous pâter. Merci, merci, merci beaucoup le Game Pass, merci. Ça me fait plaisir de savoir que j'ai un succès qui s'appelle Liberté Chérie. Merci beaucoup. Ah, j'adore Xbox.
Mon père m'a raconté. Je me fais du souci, appelle-moi Bisou. Vous êtes sûr que c'est là? Je pense du débutant. C'est pas sur la carte des sentiers. Ça va aller. Merci. Oh. 14 ans later. On est en 2012. Donc c'était en 98. Coupe du monde, tout ça, tout ça. Allô monsieur avant. Ouais, c'est clair. Hey, tout doux. Roosevelt, qu'est-ce qui te prend? Attaque. Fais pas de bruit. Mais cette scène en vrai. Zoé. Salut. J'étais même pas sûr que t'aies eu mes... Il a pas l'air beaucoup plus vieux, hein. Une fois par mois, depuis mars. Tu sais que t'es toujours recherché par le FBI, n'est-ce pas? Comment tu m'as retrouvé? J'avoue. Grâce au bureau de poste. J'avais le numéro de ta boîte postale. Ils m'ont aidé à trouver le reste. Les gens sont... Bonne fin de live, bise. Je dois vous donner des bisous, Lolo. Bon courage pour ton taf. Bon courage. Et gros bisous. T'as tellement changé. Je savais bien que t'avais grandi, mais dans mon esprit, t'étais restée la même petite fille effrayée. Toi aussi, t'as changé, franchement, pas de ouf. Je n'ai plus peur. En vrai, si, complètement, mais on va dire ça pour montrer qu'on a des balls, quoi. Mais moi, je trouve qu'il a pas changé. Il a juste vraiment une toute petite barre. Le mec, il a mis 14 ans pour avoir un bout de poil légèrement foncé, quoi. Franchement, 14 ans pour 2 mm, c'est que la barbe, c'est pas fait pour toi. Malheureusement, ça marchera pas, quoi. Même les vieux, ils sont à peine longs. Tu fais plus vieux, toi aussi. Plus que ce que j'imaginais. Vraiment. 14 ans dehors, ça transforme n'importe qui, tu sais. Mais vraiment, il a pas beaucoup changé. Viens t'asseoir. Il y a une 14 chaise. Ans, j'ai enfin du duvet. Et je te promets que t'auras pas besoin d'utiliser ton spray au poivre. Évidemment. Mais il lui a pas du tout fait du mal, au contraire, il a tout fait pour essayer de minimiser un peu l'impact de sa famille, de taré sur elle. Il a pas réussi, mais il a essayé. Sacré vue. Je me disais pareil avant, mais je l'ai beaucoup vu. Ça fait bizarre de te voir ici. J'ai tellement pensé à toi et à ta famille ces dernières années. Ouais, c'est ce que tu m'as dit dans tes lettres. Moi, j'ai tout fait pour oublier la tienne. Et je m'en sortais pas trop mal. Enfin, jusqu'à ce que tu m'écrives. Oh. J'ai beaucoup de questions à te poser. À propos de ta vie et... Lance-toi. Ah, c'est le moment, hein. Dans nulle part. Ok. Ok, c'est quoi? C'est nouveau la cicatrice? Oui, c'est bien le genre de question. Comment va ta famille? S'en fout des nouvelles de Vanessa? Hein? Mais... Ah oui, elle a dû le savoir aux infos. J'avoue que Vanessa... Vanessa, je pense qu'elle a eu un bon avenir parce que justement, elle nous a pas accompagnés. Moi, je sais pas comment va ta famille, mais c'est qu'est-ce que devient ta famille, genre en mode. Mais ça m'intéresserait aussi la famille. On t'a déjà reconnu, bah oui, hein, du coup. Ça, on peut déjà dire oui. Mais c'est avec Vanessa, ouais, je suis d'accord. Mais bon, c'est bizarre que. Bon, c'est nous en tant que joueurs qu'on pose notre question. Qui tu as fui? Vanessa? Je me renseigne sur elle des fois. Elle travaille en coulisses pour une émission de télé, je crois. Elle s'en est bien sortie. J'ai pensé à lui écrire aussi, mais je sais pas, entre nous c'est vraiment fini, et c'est peut-être mieux comme ça. Oui, au bout de 14 ans, oui, surtout vous avez vraiment même pas eu à échanger un baiser en fait. Bon, je vais demander à la famille. Moi je veux savoir
ce qu'est devenu la famille plus de que comment va ta famille. T'as déjà reconnu et... Franchement, j'avais d'autres questions, moi, sinon. J'avais d'autres questions, genre comment t'as réussi à t'installer ici, comment tu fais pour survivre, est-ce que t'as une nouvelle identité ou est-ce que tu fais tout par toi-même, enfin, trucs comme ça, quoi. Est-ce que tu regrettes? Est-ce que t'es désolée? Bah, sûrement. Mais qu'est-ce que tu regrettes le plus? Est-ce que tu fais que des cauchemars comme moi? Enfin, voilà, tu... T'as des trucs comme ça. Ta famille? Non. Tyler attend la mort dans l'Arizona. M'en appelé des coupables, elle s'en est mieux sortie. J'ai échangé quelques lettres avec mon père au début, mais... Il disait que c'était trop risqué pour moi. Oui, c'est vrai. Alors on a fini par arrêter. Voilà, c'est tout. Et Magnum, ça te déchire. Mmh. Si on parle de bouffe, ouais. Assez discuté. Franchement, elles sont pas ouf ces questions. Allez, je demande la cicatrice, mais on peut arrêter de discuter aussi. Ou on t'a déjà reconnu. Mais pas ouf, ouais. Est-ce que tu fais des beaux rêves? C'est quoi ton plus grand rêve? Et pourquoi tu me suis, bordel? Est-ce que c'est toi qui m'as suivi aussi? C'est ça la question. Double chocolat, le croquant. Ah, est-ce que t'as le truc avec... Une cicatrice. Oh, je me balade. J'aime trop les magnums où il y a le caramel entre deux chocolats. Sur une ours qui avait l'air blessée. Sauf qu'en fait, elle venait d'avoir des petits. J'ai retenu la leçon. C'est quoi ton déo? Non, mais c'est sans intérêt un peu. Ouais, non, typiquement, est-ce que c'est toi qui me suis? Est-ce que c'est toi que j'ai poursuivi dans la rue? Ou est-ce qu'elle s'est fait des alus? Je sais pas. Donc c'est pas lui, parce qu'il aura pas pris le risque. Donc elle a quand même vu des gens. Alors que c'était pas eux, enfin je comprends pas. On a quand même vu des gens, et son grand-père en voit aussi. Sauf que tous les deux, ils en voient pour des questions de problèmes. Hallucination. Chocolat au lait sur le dessus, chocolat blanc en bas. Trop bien ça, je le connais pas celui-là, jamais goûté ce magnum là. Juste devenu parano, fillette. Pourquoi t'es venue jusqu'ici, Zoé? T'as dit que tu voulais me parler? Je voulais que tu m'écrives. Mais t'es venue me voir. C'est vrai que c'est pas rien. Bon, en même temps, vu le cadre... Ouais. Pourquoi? J'arrêtais pas de voir ton visage. Mmh. Dans mes rêves... La rue. Ouais, donc elle sait que c'est des alus. Et je savais que si je venais pas te regarder dans les yeux... Tu pourrais pas tourner la page. Si jamais tu veux en parler, je suis bien placé pour comprendre. Et je suis doué pour écouter. Ça va pas très fort. Bah, franchement, on va pas... Attends, on est venu jusque là pour parler avec lui. On va pas faire un... Non, je veux pas en parler, ça te regarde trop pas. Au bout d'un moment, on est venu là pour ça, en fait. Genre, je sais pas où elle habite, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a quand même fait de la borne, hein. Maintenant qu'elle est là, bah ouais. Au bout d'un moment... Non, ça te regarde pas, je m'en vais. C'était sympa, ces 8 minutes. Meuf lui met tout l'eau sur le dos alors qu'il est innocent. Mais c'est vrai que je comprends pas du tout pourquoi elle lui met autant sur le dos. Est-ce que dans d'autres parties, il est censé avoir fait plus de mal? Mais je sais pas, je pense pas. Donc je comprends pas pourquoi il prend aussi cher, alors que littéralement, c'est les autres qui ont fait tellement pire. Parce qu'il lui a tiré dans la jambe de son père. Quand tu m'as emmené à l'étage, et qu'il y a eu une coupure d'électricité. Tu te rappelles? Bien sûr. J'avais aussi peur que toi. À ce moment-là, tu m'as dit de pas faire de bruit. Et depuis, c'est comme si j'avais jamais cessé de retenir mon souffle. Alors que tout ce que je voudrais, moi, c'est crier. Ici, tu peux gueuler, là. Sans m'arrêter. C'était juste pour éviter qu'on t'entende. Les flics approchaient et... Je voulais pas qu'il t'arrive quelque chose. Je sais. J'ai pas dit que c'était rationnel. Tu sais ce qu'on a en commun, tous les deux? Le destin nous a pas épargnés, tous les deux. Et on a passé notre vie à essayer de faire avec. Au fond, on se ressemble beaucoup, toi et moi. Bah clairement oui.
Mais franchement, le plus trauma des deux, c'est lui, hein. Franchement, hein. Elle, elle a subi un moment de traumatisme dur, mais malheureusement, voilà, ça a duré une soirée, une prise d'otage, c'est très traumatisant, tout ça, effectivement. Je ne nie pas, mais lui, il a vécu une vie de traumatisme, en fait. Faut qu'elle arrête de lui en vouloir, normalement. Pas parce qu'il est traumatisé aussi, mais parce qu'en soi, c'est pas lui, normalement, le responsable de ses traumatismes. Lui, il est vraiment comme elle. Il a enchaîné les traumas, exactement. Alors qu'il a rien demandé. Jay. Il a jamais cherché la merde, mais oui, clairement. Pourquoi tu t'es mis à m'écrire ? Je te l'ai dit. Il y a beaucoup de choses dont j'ai jamais pu parler. Bah vas-y, talk to her. Mais pourquoi moi ? Tu disais que tu voyais mon visage la nuit. Des fois, je vois le tien moi aussi. Après toutes ces années... J'aurais dû tourner la page. Oui, le chien. J'ai jamais pu. Tu dois me détester. C'est normal, après tout ce que ma famille t'a fait. T'as détruit ma vie. Non, mais non, clairement pas. Bien sûr que non. C'est les autres, là. C'est sa connasse de mère, là. C'est connard de frère. Eux, c'était vrai bâtard, mais... Elle a pas détruit sa vie du tout, faut arrêter. J'ai eu un berger allemand quand j'étais petite, il était trop gentil. Trop stylé le berger allemand. Almond Remix, le nom des magnums. Ok. Ok, je les connais pas. J'en prends pas souvent avec les éclats d'amande. Je suis pas fan d'amande, mais dans la glace, je trouve que ça passe. Et Vendels qui fout la merde. Je vais pas te mentir, Jay. C'est pas facile pour moi d'être là. Ta famille Allez. A tué beaucoup de gens. Et tu as tué mon père, sous mes yeux. Hein ? Ça fait tellement longtemps que je redoute ce moment. Mais... Mais pas du tout. Tu as aussi veillé sur moi cette nuit-là. Il y a un énorme souci de lien entre les scènes. Entre les chapitres. Parce que non, il lui a tiré dans la jambe et elle l'a eu au téléphone il y a 2 semaines, son père. Oh, ça nique toute la fin. Ça nique toute la fin. T'as appelé ton père en plus, oui, pour dire que t'allais arrêter les études et tout. Genre... C'est ridicule. Là, pour le haut, ça nique vraiment. Mais je comprends pas. Bah, en fait, c'est qu'il y a un souci de lien... entre les chapitres, ça arrive, c'est pas du tout le... C'est pas le seul jeu où je vois ça, sauf que d'habitude, c'est dans les jeux à... Comment ça s'appelle? Les Dark Picture Anthology, qui sont des jeux d'horreur très nanardesques. Donc c'est... Dans mes cauchemars, c'est pas grave, quand y a... enfin, c'est moins grave. Là, je trouve que ça nique absolument tout, quoi. Dans les Dark Picture Anthology, ouais, comme je dis, c'est vraiment des navets, même plus que des nanars. Les scénarios sont très cons, les personnages sont très cons. Et il va y avoir des fois un souci de t'as pas fait un truc, mais le jeu dit que tu l'as fait, ou inversement. Là, donc voilà, il y a souvent ça. C'est des jeux à choix aussi, pareil. Là, dans ce jeu-là, c'est quand même bien écrit, les personnages sont bien écrits aussi. Donc j'avoue que le fait que ça nique totalement le scénario de dire ça, je suis un peu. Je suis un peu saoulée. Oui, bah c'est le code pour venir dans la game, parce qu'on peut jouer au multi au jeu. Alors nous, on le fait déjà là, actuellement. Mais on peut jouer, si vous avez le jeu, il est sur Game Pass, si vous voulez jouer avec quelqu'un, vous pouvez. Comme ça, vous faites les choix à plusieurs, ou peut-être que vous incarnez des personnages différents. Je sais pas trop. Je pense qu'il est intéressant à plusieurs. Je vois pas l'utilité. Bah peut-être que comme dans Dark Picture Anthology, t'incarnes des personnages différents, et du coup, tu vois peut-être des scènes en plus. Parce que dans les Dark Picture Anthology, quand tu joues à deux... vraiment à deux, en online, avec chacun qui voit un personnage différent, en même temps, et ben ça fait qu'on voit, on voit pas les mêmes scènes, et du coup, en général, on voit des scènes en plus, aussi, qu'on verrait pas si on jouait solo. Et du coup, je pense que c'est peut-être pour ça aussi. Peut-être que là, du coup, tu peux incarner les deux personnages. Là, par exemple, on incarne que le mec, que la nana, peut-être que si tu joues à deux, l'autre incarne le mec.
ce qui fait qu'en fait il y a des choix de réponses et de conversations différents et tout ça quoi. Moi, c'est possible que du coup il y ait des choix différents et des personnages différents. C'est possible. Ou peut-être que des scènes qui sont jouées pendant que d'autres sont jouées. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, là, le jeu nous accuse d'avoir tué le daron. Faut savoir que non. Dans toute la partie, pour ceux qui viennent d'arriver ou qui n'ont pas tout vu du début ou qui ne se rappellent pas, on n'a pas du tout. Le Jen n'a pas du tout tué le père de la gamine. Il a tiré dans sa jambe. Il n'est pas du tout mort. Et même il avait l'air d'aller très bien parce qu'on l'a eu, enfin on a vu un peu plus tôt que la petite, une fois adulte, une fois grande, a son père au téléphone et lui dit qu'elle va peut-être arrêter ses études et lui dit oh appelle ta mère, elle va te tuer ou je sais pas quoi, enfin en mode voilà, donc c'est qu'il va très bien, enfin en tout cas il avait l'air d'aller bien, en tout cas il est pas trop mort quoi, c'est pas une boîte vocale qu'on avait, donc vraiment là ça nique beaucoup beaucoup beaucoup, mais c'est aussi, ça explique pas mal, ça casse le truc de fou. Mais ça explique pas mal au moins pourquoi elle lui en veut autant depuis toutes ces années. Mais en soi, bah voilà, hein, dans les faits, il est pas du tout mort le daron. Donc il y a eu un bug. Il s'est passé quelque chose, il y a peut-être une scène qui a été oubliée ou qu'il n'y a pas le lien qui s'est fait. Mais où, du coup, le jeu considère que le père est mort à ce moment-là du jeu, alors qu'au chapitre d'avant, on a vu que non, il n'était pas du tout mort. Donc c'est très dommage. Ça nique vraiment beaucoup cette fin. Elle est toute pourrie, la fin, du coup. Normal. Qui a fait des choses horribles. Jay. On a même vu le père partir du motel en vie. Ouais, tout à fait, dans une ambulance avec un bandage à la jambe, ouais. Ouais, ouais, complètement, effectivement. Je veux dire... On a vu des photos. On a vu des photos aussi chez elle. D'elle avec son père plus grande et pareil avec sa mère. On a vu qu'il s'était... s'était appelé, donc il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Ça va vraiment ? Je me suis toujours dit que j'avais été entraîné dans tout ça malgré moi. Que j'avais fait ça parce que... Je suis dégoûté. Ça me saoule. Mais que j'avais pas d'autre choix. Et si j'avais tort ? Et si j'étais vraiment comme ça ? Tu crois que je suis quelqu'un de mauvais ? Est-ce que je suis mal ? Oui, c'est vrai qu'elle a dit... Oui, c'est vrai. Il y avait un souci de temporalité déjà quand elle est venue voir son grand-père et qu'elle a dit « J'ai dit à maman que j'allais arrêter mes études. » Alors qu'elle l'a dit à son père dans la scène et pas encore à sa mère dans la scène d'avant. Il y a un gros souci. Est-ce que je suis malade ? Qui ne l'est pas, j'ai envie de dire. C'est super profond ça, finalement on est tous un peu ma boule. Et même Jay dit au garde forestier qu'il a tué personne. Mais oui, non mais il y a un énorme souci. Non, il y a un énorme souci. C'est des connards et je joue pas avec eux. Merci beaucoup Morgane des Ghettos qui nous règne. Nous arrivons à la toute fin du jeu. Pour ceux qui ont envie de le faire, vous êtes en train de voir une conclusion possible. Mais merci beaucoup, c'est très gentil. J'espère que ça s'est bien passé, Fable. Salut Ryona. Un peu malade au fond. Regarde-nous un peu. Les gens qui croient qu'ils vont parfaitement bien se font des illusions. Good toi. Alors t'avances bien? C'est peut-être le monde qui est malade. Et on joue avec l'extension Twitch qui permet de... Il faut que je redescende à l'arrêt de bus. Laisser la possibilité au chat de choisir. Tu as sans doute raison. Tâche de faire attention. C'était il y a un moment, j'ai pas encore fait. Ok, bah écoute, si ça t'intéresse, t'as moyen d'avoir de jouer avec le chat et c'est le chat qui choisit. Bon, je suis un peu transparente, c'est fait exprès parce que je gêne plein de choses à chaque fois, donc... Bref, j'ai trouvé une manière d'être à moitié transparente. Vous pouvez jouer avec le chat, enfin si tu t'as envie, et le chat a juste à faire une commande pour répondre ou faire des actions, donc c'est un peu sympa. Moi je meurs. Et ça marche, des gros bisous Morgane, et merci beaucoup pour le raid. Toi aussi. Ça s'installe avec le jeu. Ouais, quand tu lances le jeu, tu dois préciser lancer en mode diffusion au moment où tu lances ta partie, même pas le lancer le jeu. C'est vraiment au moment où tu lances sa partie et il va te proposer en solo, multijoueur, en mode diffusion. Et après tu mets le pseudo de ta chaîne et c'est tout. C'est très simple. Et après ça va juste être, ils vont devoir mettre un hashtag avec un chiffre qui correspond à la réponse ou à l'action et voilà. Et toi t'auras juste à faire des QTE. Tu peux aussi voter, hein, ta voix compte autant. Merci pour la fin. Avec plaisir.
C'est ce qui m'a donné envie de le faire. Mais je dois préciser que là, alors, c'est pas un spoil, mais on a fait un gros bug où le jeu, là, à ce moment-là précisément, dit qu'on a fait un truc qu'on n'a pas du tout fait et où on a bien vu qu'on l'a pas du tout fait, au contraire. On a eu un meilleur dénouement et le jeu considère qu'on a eu un dénouement terrible d'un truc. Et du coup, ça a pas mal, ça nique pas mal la fin. C'est un peu dommage, je sais pas pourquoi, il y a eu un petit bug, mais c'est assez dommage. La vérité, c'est qu'on ne peut jamais vraiment échapper aux ombres. On apprend simplement à leur tourner le dos et à regarder la lumière. Ouais, c'est un peu dommage, parce que vraiment, ça... Certains d'entre nous parviennent à grandir. Ça nique pas mal la fin. Et ça nique pas mal la conclusion même, en fait. Lorsque les nuages obscurcissent le soleil. Pourquoi certains d'entre nous parviennent à tenir bon ? Au point de flinguer la fin, un peu. Franchement, un peu. Il était vivant là, non ? Oui, il était vivant justement. Donc c'est que ça va pas trop, hein. Je n'ai pas les réponses. Des bisous, des bisous Morgane, des guetteuses, merci. C'est pas un flashback, je crois pas, parce qu'on l'a pas vu la scène avant, donc je pense pas. Et vu que les autres scènes n'étaient pas des flashbacks, j'imagine que c'était juste totalement lui qui était vivant, ouais. De toute façon, il nous avait dit que... Salut Zoé, c'est Papy. Dis, je repensais à notre conversation de l'autre jour. Tu sais, je t'ai dit qu'il fallait affronter ces démons et... Il y a quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Ah. Ça va parler des enfants cachés. Quand j'ai proposé qu'on prenne une certaine route, j'avais une idée derrière la tête. C'était pas la première fois que j'allais là-bas. Fils caché, ouais, je suis sûr. Tout ce qui s'est passé après le Desert Dream et puis tout le reste, je crois que c'était ma faute. Je t'en prie, t'es pas obligé de faire ça. Tiens-toi tranquille, ça vaut mieux pour toi, compris ? Il peut tout prendre, c'est à tout rock, dans la... Happy. Passé décomposé. Alors, est-ce qu'on a un autre chapitre après ? Fin du voyage ? C'est compliqué de trouver la lumière. Bon, là, déjà vu hein, le générique. Apprécie le calme, évite les conflits. Magnanime. Faites de bonnes attentions aux autres. C'est très vif. Oh, ça, on le savait. Merci beaucoup, Mo. A pris des décisions sans hésiter. On fait partie que des 17% qui ont atteint la frontière seule et libre avec Jay, donc c'est bien. Parc national, on a évité plein de trucs, je ne sais pas comment. Ça, je sais pas, je sais pas. Ouais, je sais pas. Parce qu'on était libre là, donc j'imagine que ça a enlevé beaucoup d'embranchements. On a vu le garde-tourdier, il y a que 7% qui ont vu le garde et laissé partir, c'est fou. C'est fou, c'est fou. On a eu le meilleur dénouement à ce moment-là. Battu record d'apnée, parler de l'avenir, encore des cauchemars. Arrivé chez Jim, on a défendu Jim, on a fouillé l'appart. On a vu une silhouette, tout ça. Ok. Et ben j'ai pas de suite. Hein. Hello Surf Moon. Alors c'était... Attendez, si je vais explorer l'histoire. Bon, il y a peut-être un troisième livre qui sera prévu. Parce que ça reste sur un petit cliffhanger quand même. Mais du coup, est-ce que je considérerais qu'on a
que notre père est mort ou pas? Parce que bah, il l'est pas normalement. Est-ce qu'il y aura une suite? Je pense aussi, tout à fait. Je pense que les épisodes d'expansion sont sortis plus tard. On verra. 10 bisous la VOD, c'était As the Dusk Falls, on verra. Si une suite sort, on la fera probablement. 10 bisous.